Ah oui, ah oui, oui, oui. En effet. Allez. Hello? Where are you? You're missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Madame la policière, bonjour. Bonjour. Désolé, hein, je fais un petit peu de la musique. Sous l'effet de l'alcool. Ah. Mais pourquoi tout le temps je suis sous l'effet de l'alcool? Je vous fais de la musique. Bah, monsieur, à 2 reprises, vous m'avez porté un coup. Je pense que c'est dû à l'effet de l'alcool. Si c'est fait, ceci est plus inquiétant. Si vous le souhaitez, vous pouvez me taper. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Ou me mettre une amende, me mettre. Même en cellule là si vous voulez, hein. Moi il n'y a pas de souci, si ça peut permettre de prouver ma bonne foi comme c'était vraiment des spasmes accidentels, moi il n'y a pas de souci, hein. J'accepte à me résoudre. Justement monsieur, je vais jouer sur les moustiques qu'il y a sur Los Santos qui procurent des spasmes, et vu que c'est la première fois que je vous vois au sein de notre très chère et belle ville, je ne tiendrai pas rigueur des 2 coups, mais je vous invite fortement à quitter les lieux. Parce que vous vous doutez bien que pour l'instant, votre visage m'énerve un tant soit peu. Ah. Je suis un peu vexé quand même. Je voulais pas... Monsieur, vous êtes sûr que c'est vous qui devez être vexé? Ou c'est mon visage? Ben, je voulais pas. Hein. Je suis pas méchant, hein. C'est pour ça que je vous laisse... Je me doute bien. C'est pour ça que je vous laisse le bénéfice du doute et de remonter tranquillement dans votre taxi, monsieur. Bon, mais bonne journée à vous en tout cas. Et puis, j'espère que vous allez me pardonner. Oh, merci. Sûrement, hein. Je pense que demain ira mieux, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur. Merci également, monsieur. Mais j'ai toujours envie de faire pipi. Hein. Quand vous ressortez, vous prenez le feu qui est à ma droite, vous allez toujours tout droit, 2e carrefour à gauche, et vous verrez dans le parc qu'il y a des toilettes. Impeccable. J'espère qu'ils sont propres. Hein. Mais non, j'ai un problème de portière encore. C'est pas possible. Hein. Toujours. Le sergent va laisser le monsieur tranquillement s'amuser avec son taxi. Et puis, j'allais vous parler. Ça marche comme ça. Bon, à plus tard. Au revoir. À plus tard, monsieur. On va faire des enfants blonds. Tom McAdams. Personne qui arrive à l'accueil, hein. Vous pouvez aller voir? Oui, bien sûr. Je vais répondre au téléphone en même temps. D'accord, ça marche. Monsieur. Rebonjour, monsieur. Rebonjour. J'ai un petit problème avec la voiture. En fait, elle veut plus redémarrer. et j'appelle un dépanneur, il n'y a personne qui vient. Comment je fais? C'est peut-être bête ce que je veux dire, mais appeler un taxi. Ah, mais c'est pas bête comme solution, mais mais c'est pas bête. Je vais essayer de les appeler là. D'accord, ça marche. Et sinon, je fais comment? Si personne me répond, comment je fais? Bah pour le moment, bah vous laissez votre véhicule devant, vous n'avez pas le choix. Ah. Malheureusement. Ah, ça c'est pas bien ça. Hein, bah non, mais c'est pas grave, on va prendre note, monsieur. C'est comment votre nom, monsieur? Moi, c'est monsieur Roger Ricard. Monsieur Roger Ricard, d'accord, ça marche. Non, mais pour le moment, voilà. Si les dépanneurs ne sont pas là, bah voilà, vous laissez votre véhicule. Moi, j'ai bien pris connaissance de votre problème. Voilà, y a pas, vous inquiétez pas pour votre véhicule, il n'y a pas de souci. Bon, mais ça marche. Ah ben, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, monsieur Ricard. Et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Hop, pardon. Sergent, une question. Oui. Est-ce que votre application F7 fonctionne? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Pour ma part, oui. Bon, c'est fâcheux. Je vais aller faire un petit somme dans mon bureau, j'arrive tout de suite. Bonne sieste, commissaire. Et puis, si le chauffeur de taxi a besoin de son véhicule, ouvrez lui sa portière, là, parce que... Non, mais apparemment, son véhicule est en panne, je crois. Ah. Il est vraiment en panne, donc là du coup il peut plus le déplacer et comme il n'y a pas de dépanneur, donc voilà, je lui ai... donc je lui ai dit que j'avais bien pris une... Voilà, enfin, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que c'était peut-être bête, mais appelez un taxi pour rentrer chez vous. Bon, c'est compliqué. Ouais. D'accord. Bon, je vais faire un petit somme, je reviens. Ok, ça marche. Ouais, donc Matrix, c'est Tom McAdams. Ça marche. Bon, c'est un PNJ hein, qui a pris la relève du coup. Bon, c'est bon pour toi. Ça vous a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. On va partir en patrouille. D'accord. J'ai quelques petites affaires à traiter avant. Donc, vous pouvez prendre un véhicule. Je vais prendre aussi un véhicule de patrouille. Et puis, on se retrouvera un petit peu plus tard une fois que j'ai fini quelques détails. Ouais, d'accord. Pas de soucis, commissaire. Ok. Bon, bonne chance. Merci, bon courage pour vous. Oh, moi ça devrait aller. Il y a un sportif, dis donc. Vous avez vu ça? Allez, on continue, on retourne en patrouille, je vais retourner là où j'étais. Golf 3, Golf 3 de TK. J'écoute. Supérette, secteur 9, personne ressemblant au signalement de l'agression il y a quelques jours. Demande d'assistance sur TK. J'arrive. Reçu. Ouais, coupez les bleus, Golf 3. Ouais, l'individu sur votre droite. Là, tu fuites avec le bonnet, là? Ouais, affirmatif. Monsieur. On sort discrètement, on le suit, taser en main. Ah, il est où, là? Il fait des allers-retours, là. On va devoir l'interpeller. Monsieur, on ne bouge plus. Il n'a pas l'air de s'écouter. Vous mettez-vous, sergent? Mettez-vous devant. Monsieur, on arrête. Monsieur, on arrête, on ne bouge plus, monsieur, on ne bouge plus. Oh là. C'est dans le 4x4, je répète, c'est dans le 4x4, TK. Individu touché. Le deuxième s'enfuit, je répète, le deuxième s'enfuit. Il arrive à toi, il arrive à vous là. Il est sur les toits, je répète, il est sur le toit. Ah. Là c'est mal foutu. Ok, deux personnes à terre déjà, deux personnes. Ouais. Je garde en visu le toit, okay, je regarde le visu. Ouais, c'est bien pris, c'est bien pris. Je vais voir l'individu à terre. Merci. Ouais, l'individu à terre est neutralisé, en TK. Reçu. À l'étage, ça bouge toujours pas. Je vais aller voir si je peux monter. C'est bien pris, je reste en position au sol et pointe en sa direction. Ouais, j'entends les ambulances, ils se dépassent. Reçu. L'individu est mort, je répète, l'individu est mort sur le toit. Ouais, c'est bien pris, on laisse les ambulances faire leur boulot. Revenez sur ma position, il y a un individu au fond qui a été au vu. On va lui poser des questions. Bon, l'individu là-bas, adossé contre le mur, vous le voyez? Oui, je vois, ouais, bien sûr. D'accord. Pendant toute la scène, il n'a pas bougé une seule fois. D'accord, donc à mon avis, il doit être responsable. Ouais, ça marche. Ouais, je pense. Ça va, vous n'êtes pas trop blessé là? Mon gilet pare-balles, heureusement que je l'ai équipé. Ouais. On va y aller tout doucement parce que je crois qu'il est une arme. Et il nous tourne le dos. Monsieur, on va rester. Bah il est... Hop. Pas du tout ça que je voulais faire. Je m'excuse comme ça, c'est pas du tout la bonne personne que je voulais faire. Je pense que le taser a dû lui faire un bon dodo. Je pense, oui. Ah, et je crois qu'il s'est pissé dessus. Et puis il a bu beaucoup de vin, parce que son urine est rouge. Oh, bah je crois qu'il va bien dormir pour un bon petit moment. Ouais, je pense aussi. Par contre, le véhicule en plein milieu, on va essayer de le déplacer. Ça marche. Faites attention, il y a un corps sous le 4x4 là. Oui, je vois ça. Et il a l'air de bouger. Vous le gardez en joue? Oui, je le garde en joue. Quelle maîtrise. Il y a un autre véhicule en face, on va essayer de les déplacer. J'ai appelé les garagistes mais rien à faire. Pourquoi nous les verrons pas ce soir? Ah, vous pensez que Golf 3 ? Et on est en week-end à mon avis. Je sais pas s'il faut la permanence. Je comprends. On va aller voir un petit peu à l'épicerie là. Arme au point, sergent. C'est passé un peu tendu. On va leur montrer que nous aussi on est présents. Mais ils sont très tenaces hein, parce que même nos passages assez réguliers ils sont toujours là quand même. Ouais, je vois ça. Vous avez des nouvelles du Calais Rodriguez? Négatif, commissaire. D'accord. Pour l'agent Khalid, je sais pourquoi. Rodriguez, j'ai un doute. Mickey, je pensais vraiment qu'il allait revenir. Bougez pas, excusez-moi monsieur. Il m'a juste fait peur. Ah oui. Il m'a juste fait peur. Ouais, c'est ouais, un peu dommage. Ouais. Non, là, ça a l'air d'être calme là. Je fais un tour à l'intérieur comme ça. Ouais, c'est bien pris. Bonjour. Bon, ça va, il vous faut pas de mal. Y'a rien à signaler de votre côté? D'accord. Ok, ça marche, pas de soucis. Bon, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Allez, bonne soirée, au revoir. Bon, apparemment, ils font pas mal de passages devant le... Hop là. À droite, t'arrêtes sur la droite. Ça, si c'est pas une tire synchro. Magnifique. Ouais, bah je crois que lui c'est fini. Décidément, ils ont l'air d'être tendus dans le secteur. Je crois, oui. On va essayer de voir le bâtiment. D'accord. Venez avec moi, sergent. Contrôlez ce véhicule, sergent. Marché. Alors, tac tac. N'appartient à personne comme ça. Pas de nom. Rien à signaler. Par contre il y a un... Ah non c'est le 4x4 de tout à l'heure. C'est privé mais la grille a l'air d'être forcée donc on va aller voir le véhicule qui est à l'intérieur. Ça marche. Allez-y. Je fais le tour du bâtiment. Merci. Allez. Rien à signaler là-haut? Oula. Vous êtes comme moi? Vous entendez bien de la musique? Oui, oui, je confirme. À mon avis, c'est dans les HLM là. On va aller voir ça. Vraiment crâne. Oui. Non seulement les civils sont sales, mais les deux bords ne doivent pas faire leur boulot correctement, je pense. Ah. Attention à vous, arme au point, sergent. Voici. Il a l'air d'être clean là. Bonjour. Vous avez rien vu de suspect dans le secteur? Pour des personnes sous l'état de stupéfiants, complètement amorphes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. Carrément ouais. Dans le cosmos. Ah oui, là, elle est complètement déconnectée là. Il y a dans Los Santos, mais elle est vraiment costaud. Ah là, oui, c'est clair. Ah, il y en a deux en bas là. Ah, ça doit venir du logement du... Ah bah il s'est arrivé. Oh là. Je crois qu'on doit les déranger là un petit peu là. Ouais. Ouais, il est propre lui. Bonjour monsieur. Ah, lui son état encore sous les fédérales. Je pense qu'il est pas tout seul dans sa tête. Drogue. Ouais. Ah, je pense aussi. Certaines populations assez bizarres quand même. Oui, c'est clair. Pas ce qu'ils prennent mais c'est... Ouais, ça marche. Pas ce qu'ils prennent mais c'est de la bonne hein. Là-bas au fond, sergent. Ouais. Monsieur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On arrête, on s'arrête. Coup de feu, coup de feu. Repli, sergent, repli. Repli sur ma position. Coup de feu, deux coups de feu. Derrière le véhicule au fond. Oui, oui, j'ai vu comme ça. Ok, ok, un individu à terre. À votre gauche, à votre gauche. Un autre à terre. Je pense que... C'est propre, ouais. À l'heure actuelle. Ouais. Un regroupement au fond, deux véhicules arrivent. Changement d'arme. Armement de poing. Il en reste un. Je répète, il en reste un. Il y en a un autre qui s'enfuit. Un encore, un individu encore. Et tire sur les... Oh là. L'individu est mort, je répète, l'individu est mort. Il en reste encore un, sergent. Derrière le véhicule 4x4, ça sent. Encore deux individus. Reçu. Ça contourne, ça nous contourne. Je répète, ça nous contourne. Attention au véhicule qui rentre dans le parc. Je répète, un véhicule qui est rentré dans le parc. Ouais, j'ai vu. Ah, rien à signaler. Non hostile. Bon. Il est à l'air d'être calme. En progression. Ah si. Récupérez surtout les armes par terre. Ah si. Il y a panique là, il y a panique avec les médecins ici. Ouais, je vois, il y a un problème là, il y a un problème. Les médecins frappent, je sais pas qui. Docteur, on se calme, docteur, on se calme, c'est bon, on gère. C'est bon. Ah, c'est le bazar, Il y a panique là, c'est panique. Panique à bord, Vous êtes où, vous êtes où? TK, vous me recevez? TK, est-ce que vous me recevez? Nom de Dieu, on a perdu le commissaire. Centrale pour Goffre 3. TK a été touché, je répète, TK a été touché et je ne la retrouve pas. Je répète, je ne la retrouve pas. Il n'y a plus d'armes. Goffre 3 de TK. J'écoute. Ouais, durant l'échafaudé, un civil m'a vu blessé. Je suis monté dans son véhicule, il m'a conduit à l'hôpital. J'ai eu les premiers soins en urgence, je suis maintenant sorti. J'ai besoin de vous pour retourner au commissariat. Je viens vous chercher, TK. À l'état de la situation et de votre état de santé. Pour ma part, je suis blessé à la jambe, mais ça va aller et la situation s'est calmée. Tout est en ordre, TK. État mental et physique des ambulanciers sur place. Les ambulanciers se sont enfuis, ils ont laissé leur véhicule sur place. D'ailleurs, je vais aller le ranger. Et du coup, les individus morts sur place vont rester sur la route. Ouais, c'est bien pris. J'appelle. Vous essayez de ranger le véhicule et puis j'appelle les services de la morgue pour transporter les corps. Reçu, TK. Et puis je vous attends toujours à l'hôpital. Reçu. Merci, Godfrey. Je vous en ferai, commissaire. Non, décidément, moi je vais demander une prime hein, parce que pour toutes les fois que je suis en intervention avec mes effectifs. C'est toujours la première blessée. Vous prenez cher à chaque fois. Oui, oups. Ouais, manque d'expérience peut-être. Oui, vous formez vos effectifs, mais il faut peut-être vous former avec nous en même temps, je pense. Là, je pense que je vais faire des simulateurs. Il y a un simulateur sur mon ordinateur à la maison. Je pense que je vais faire quelques petites parties. D'accord. Entraînez-vous alors, commissaire. Ouais, je pense aussi. Alors, si vous avez... vous entraînez avec moi en réseau, pourquoi pas? Ah, mais c'est avec plaisir, commissaire. Je suis un très grand joueur. Bon, bah ma foi, faudra essayer ça. Pas de soucis. Bon, après il faudra que j'aille laver le véhicule. H200 sur le pare-choc, ça le fait pas trop. Ouf, n'empêtez pas à changer de véhicule. Oui. Et du coup vous avez été touché où, commissaire? Ouais, j'ai eu une éraflure au niveau de la cuisse. Et, légèrement dans le flanc. Bon, rien, un bien de mal. Je pensais être blessé dans le dos parce que j'ai eu du sang, mais c'était pas le mien. D'accord. Voilà, comme ça. Merci, sergent. Je vous en prie. Quoi, tout ce monde, là ? Ouais, tu as du monde là. Et on circule là, messieurs là, messieurs dames. C'est pas un supermarché ici. Allez-y. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, allez, messieurs. Ah oui, voilà, c'est pas un supermarché. Merci. Pas possible ça. En sergent? Oui, comme ça. Vous avez un véhicule? C'est-à-dire le véhicule de service, oui? Non, on va éviter de prendre le véhicule de service parce que je me apprête à vous proposer. Ah. Et, vous avez un véhicule perso, ça vous dit d'aller boire un verre quelque part? Bah si vous voulez, comme ça. Ouais, allez-y, vous avez votre après-midi. Ah, c'est cool. J'arrive. Faut aller au garage, je suppose. Oui, j'ai un véhicule sans permis hein, en attendant de récupérer mon véhicule perso comme ça. Ah, vous aussi? Moi, j'ai jamais retrouvé mon véhicule sans permis. Ah, d'accord. Jamais été redonné. Oh, les Montenegro l'ont gardé pour eux ou? Ah oui, c'est possible. Heureusement qu'ils font pas payer les gardes. Ouais, parce que ça coûte très cher chaque jour à mon avis. Je pense. Je vais peut-être pas leur soumettre l'idée. On va rester discret là-dessus. Surtout qu'apparemment leurs tarifs ont changé. Oui, j'ai cru comprendre qu'ils voulaient augmenter assez sévèrement. Oui, c'est plus 100 $ pour récupérer le véhicule maintenant. Ah oui, quand même. Avant, c'était 100 $. Maintenant, oui. Je crois que c'est entre 500 et 800. D'accord. Ouais, ça commence à faire raide quand même. 100 $ pour faire sortir le véhicule à 500. Bon, bah maintenant, on réfléchira plus à bien le mettre dans le garage avant, quoi. Ah oui, je confirme. Oh, moi je vais leur demander des petits prix de réduction, moi. Oh, bah je vais le faire passer pour les factures de l'État. Ah bah bravo, commissaire. Ouais, il faut bien que ça me serve à quelque chose, hein. C'est bien d'être commissaire, mais on n'a pas d'avantage. Ouais, j'avoue. Le nombre de véhicules qui partent à la fourrière chaque jour, ça doit bien rapporter chez les Montenegro quand même. Oui. J'espère pas qu'ils se plaignent, hein, parce que franchement... Je sais pas si c'est le fait que vous soyez grande ou c'est les talons, mais on n'a pas la même vitesse de marche. Ah, bizarre. Peut-être les talons. Peut-être les talons, mais j'ai peut-être plus l'habitude. Aïe. Ça va aller? Aïe, j'ai mal. Oh là. Oula. Je vais péter pour le coup. Ça va votre jambe? Ça va aller. Ah. Eh bah comme quoi les entraînements ça paye quand même. Bon. Voilà. Allez venez. C'est bon. On va noyer tout ça dans l'alcool. Oh là. Mal finir tout ça. Ah bah apparemment il y a le tequilala qui a reçu sous alcool, donc on va essayer de voir tout ça. Ah bah on va essayer ça, oui, sans problème. On va voir qui tient le mieux l'alcool. Oh. Oui, on verra bien. attention, parce que vous pourriez être étonné. Oh, m'inquiétez la commissaire. Moi, j'ai rien dit. Enfin. Attention à vous. Oh mon dieu. Ah ouais, carrément quoi. Bah, c'est merveilleux comme véhicule, madame la commissaire. Oh, génial. Bon, mon bouton il marche jamais, mais ça peut être décapotable comme véhicule. Vous passez à une épicerie avant, que j'ai quelques petites enquêtes à faire. D'accord. Par contre, évitez celle où on a eu l'intervention. Je voudrais pas qu'on nous voit en civil. Il n'y a pas de souci, commissaire. Non mais vous inquiétez pas, cette barrière-là, ils ont un budget. Ah, il y a un budget. Oh, oh bah bien. Elle est ouverte, elle est ouverte. Voilà, hop là. Vous avez réussi à l'ouvrir sans la casser, bravo. C'est avec l'expérience, le commissaire. Ah, vous avez vu le point, c'est bon. Et une vitesse de pointe incroyable. C'est pas le bon point, sergent. Oups. J'ai rien vu. Ça c'est la maîtrise avec la formation, commissaire. Ouais, ça. Par contre, vous me permettez, mais je vais changer la radio. Ah, faites, moi, de mon côté, c'est coupé. Ah, d'accord. Pour votre information, vous pouvez mettre le son à 0 de la radio. Oh non, 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 moi j'aime bien cette station de radio, j'aime bien, non. D'accord. Ah, moi non, ça me prend la tête. Ça me déconcentre après. Moi aussi j'aime bien. Vous avez peut-être coupé la radio, mais vous dansez quand même. Et c'est vous qui me faites danser, commissaire. D'accord. Vous êtes une grande danseuse peut-être? On va pas dire que c'est un de mes atouts. Je suis plus fière. D'accord. On va voir ça avec quelques grammes d'alcool en plus. Oui, on va peut-être pas aller jusqu'au coma éthylique quand même. Non, non, on va éviter. Surtout si jamais on est appelé en urgence, extrême urgence. Oh, il y a bien une garde, hein. Ah, ma musique préférée. C'est vraiment... C'est vraiment génial cette radio. Si vous le dites, commissaire. Moi je l'aime bien, moi, cette petite voiture là. Oui, c'est sûr. Mais bon, juste pour dépanner quoi. Oui. Je suis en train de tester mon bouton là pour la mettre en décapotable, mais ça ne veut toujours pas marcher. Moi aussi, ça marche jamais sur ma voiture. Un défaut de série. Et moi, vu le prix où je l'ai payé, la caisse, quand même un comble, hein, un défaut de série. Bah, un peu, oui. Faut peut-être retourner voir votre concessionnaire, comme ça. Peut-être. Petit. Ah bon, désolé, de temps en temps mon capot il s'ouvre. Pourquoi votre capot il s'est ouvert? Bah c'est le tendeur de la poignée là. Ouais, ouais. Oui oui tout à fait. Du monde ce soir là sur la route. Bah oui je vois ça. Ah je crois qu'il y en a un cas à manger. J'arriverai à l'épicerie avant de mourir de faim et de soif. Et aussi une extrême urgence là commissaire. Ça va le devenir dans quelques temps oui. Voilà je me permets. Vous savez, je commence à avoir une carte de fidélité à l'hôpital. Ouais, bon, enfin, si on peut éviter. Beau dérapage. Merci. Oh, on ouvre le capot là. Allez-y. Aïe. Ma voiture, commissaire. C'est même pas vrai. Ah oh va falloir... Pas vrai, hein. Non. Ça c'est pas... un. De toute façon, y a pas de vitre. C'est pas semblant, y a pas de vitre. Vous êtes une sacrée blagueuse. Hein. Oui, je trouve aussi. D'accord. Bon, vous avez vu maintenant le gouvernement a mis disponible les appartements. Oui, c'est parfait. On va pouvoir. Oui, mais les prix sont quand même élevés. Un petit peu, ouais. Va falloir travailler dur. C'est un peu trop même. Ouais, mais bon. Au point où on en est, je pense qu'on travaille déjà pas mal, donc ça va pas nous changer grand chose. Pas faux. Ça va changer du divan dans votre bureau, commissaire. Oui, enfin pour l'instant, à mon avis, il va y rester longtemps le divan. Oula. Oh, je sais pas ce que c'était, mais... Un peu narvé, ouais. Vous avez déposé vos armes? Oui, ah bah de toute façon, dès qu'on arrête le service, vous êtes obligé. Parlez pour vous. Ah parce que vous... D'accord. J'ai pas prévu, mais de base, je peux garder mon arme en service, oui. Je suis officier, hein, je vous le rappelle. Par contre, évitez de faire ça. J'ai rien fait du tout. Bah, vous m'avez fait ça. Non, mais où? C'est vous qui le faites. Là, vous l'avez fait comme ça, regardez. C'est pas cool ça? Ah, peut-être. C'était une vengeance. D'accord. Ah non, là j'ai rien fait là. T'es nerveux, commissaire. Oui, vous continuez. Mais c'est nerveux, commissaire, j'y suis pour rien. Hein. C'est pas parce que je suis en civil que. C'est bizarre, non, à la gauche. Un peu, ouais. Pas froid dehors. Hein. Mais bah, c'est plus un feu, ça, faut pas déconner. Hein. Ouais. Un peu plus de ces feux. Ah, et moi donc, commissaire. Vous dites ça, mais vous passez votre temps à les griller. Vous faites erreur sur la personne, commissaire. Non, non, je crois pas. Oh. Oui, oui, j'en suis sûr. Quoi m'a dit. Votre petite voix vous l'a dit. Vous allez me le présenter, vous, le petit doigt là. Comme par exemple là, là. Vous voyez. Non, celui-là il était bon, celui-là il était bon. C'est le feu rouge, il était en face. Non, rouge, c'est rouge. Le vert, c'est vert. Concrètement, il était rouge. Non, il était rouge, fallait en face comme ça. De toute façon, on sera jamais d'accord. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On sera jamais d'accord sur les feux, commissaire. Vous l'avez passé en azizerie, votre permis? Comment? Vous l'avez passé en azizerie, votre permis? Non, non, du tout. Là, vert. Bien. Voilà. On va pas mettre la voiture trop loin parce que... Hein? Marcher nous fera les cuvées. Ah, ah bah si vous voulez... Oula! À une seconde près, j'avais plus de jambes. Et là, abonnement hôpital. Ah bah là oui, là c'était sûr. Le procureur a dû reprendre la place. Ah le procureur, s'il savait tout ça. Oui, il arrive bientôt le procureur. Ouais, et là ça va changer. Pour moi non. Juste squatter notre bureau pendant encore longtemps. Son bureau il n'a pas été aménagé encore. Et puis je crois que c'est un voulu du gouvernement que son bureau ne soit pas fait. D'accord. Je pense que le gouvernement lui a dit débrouille-toi. D'accord. Ah, pas le gouvernement. Ah oui. Ça va être drôle avec. Ouais, je crois. Monsieur, dame, bonjour, bonjour. Ah, bonjour. C'est pas une blague, on va pas faire avec eux. Non, ouais, hop, hop, bonjour. Hein, j'accompagne la commissaire. Oui, oui, on passe. Allez-y, sergent. Ouais. Oh, pardon. Je voulais vous tenir la porte, mais loupé. C'est pas grave, c'est gentil. Allez, ouf. C'est parti. Personne. Apparemment, c'est actif. Allez. Parti pour les cuisses. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, ouais, je vais commencer par une petite bière. Ah, quand même. Ouais, je vais prendre... C'est moins cher que du coca. Oui. Bah, moi, je vais prendre une bouteille de vin pour voir. Oh, à mon avis, vu le prix du vin... Ça doit être de la vieille piquette. Mais c'est de la flotte, oui. À mon avis, il y a juste de la couleur. Même plus du raisin. Attendez, je mange un morceau là pour bien garder tout ça. Aussi. Bon, on va voir ce que... On va voir ce que ça va donner. Petite bière de chez eux. Les bouteilles de vin, attention. Ah oui, ah oui. Oui. En effet. Allez. Il le fait. Et il le fait. C'était comme ça, dis donc. Ouf. Eh ben dis donc. Ouais, c'est... Et dedans, ça donne quoi? Eh ben, vous encaissez quand même pas mal, hein. Moi, je vais en prendre de l'avance. Oh là là. Oh. Barman, un vodka, s'il vous plaît, barman. 2 bouteilles de vodka. Non, 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 c'est des verres. Oh. 2 verres de vodka. Je me sens un peu, moi, tiens. Ah bah ça y est. Ah bah, oh, bah, oh, bah moi ça y est, c'est... Ah. Ah bah ça y est. Ça va aller? Ah, ça y est, ça va mieux. Ça va mieux? Je l'attendais pas, dis donc. Et ils costent leur bien. Ah, sûr, oui. Le vin était pas trop mal, mais bon. Ah, je vais me prendre quelques petits shooters de vodka. Oh, ouais, tenez. Ah bah tiens, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, oh, bah, à la vôtre. À la vôtre, ouais. Attention. Oh, le shooter est... Hey, c'est... Manque plus qu'un petit bédo et... C'est bon. Ah, oh là là. Oh, petit dos. Vous dansez bien. Ah bah, on va essayer. La 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 la. Tes petits tournes. Oh, c'est dur. Hein. Au prochain verre, je vais gerber. Non, faut tout garder. Si vous gerbez, faut tout remanger, commissaire. Ah bah non, bah je vais éviter alors. Oh là là là. Ah, ah bah ça fait plus d'effet. Oh, la colle est pas forte ici quand même. Ouais. Voilà. Pour ça, toute petite bière, ça suffira. Pouf. La 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 la. Ah, mais c'est vrai que sinon ils ont des trucs bien costauds ici quand même. Un petit peu, ouais, quand même. À voir que, à voir si ça va bien marcher tout ça. J'espère aussi, quand les gens le sauront, je pense que... Ah bah vous aussi, vous êtes bien cuit. Ça décoiffe. Faudrait qu'ils nous fassent un petit restaurant sushi. Ah non, pas de sushi, commissaire, oh non. Oh, c'est bon les sushis. J'adore pas les sushis. Si, si, c'est bon les sushis. Non, moi j'aime. On va dire un McDo, on a déjà ça. Ah bah McDo, vous faites un McDo, au bout d'un quart d'heure vous avez encore faim. Ouais, c'est pas faux. Vous voulez quoi alors? Ah non, oui, c'est bien, ça amènera du monde. Moi, un bon steak frites. Ah, plus traditionnel quoi. Voilà, tout à fait. Oh là là, commissaire, ça va aller. Oh, il n'y a plus trop de boulot. Ah mais... Sacrée descente. Ah, vous en cassez quand même pas mal, hein. Attention. Ça doit être dû au physique, je sais pas. Ah, l'hélicoptère. Par contre, votre main, elle est bien proche de ma poitrine. Ah, pardon. Ça vient de calmer vos ardeurs, sergent. Eh, pardon, excusez-moi, commissaire. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Hop. Hop là. Attention. Oh. Trop dur. J'ai épuisé. Oui, carrément. Oh là là. Oh là là. Vous ne tenez plus trop debout quand même. Attention. Pof. Et on lui pèlera le jonc. C'est la musique de chez vous? Oui, oui, comme ça. Du schnorr. Oui, du schnorr. Bah dis, ça se lâche, sergent. Ah bah c'est humain hein, comme ça. Hein. Je sais pas, je peux pas vous dire. Ça fait tout de suite moins classe si c'est moi qui le fais. Affirmatif. Ah oui, complètement. Oui. C'est pas le tout, mais bon. Déjà? Bon. Faire un petit retour. Ah bah, faut pas profiter des bonnes choses. Hein. Bon, on est reparti alors, commissaire. C'est vous qui conduisez, hein. Ouf, on va pas gagner ça. Ouais, si. Comme ça, si on se fait arrêter, c'est vous qui prenez. J'avais pris la bonne porte, non? Ah ouais. Commissaire! Commissaire? Venez là, 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 commissaire. Là, là, attention, attention, attention. Encore sous l'emprise d'alcool. Oh. Voilà. Pouf. Ah bah il fait déjà jour. Oh, il fait jour. Ça fait mal aux yeux en plus. Il est resté toute la nuit. Pouf. Et tout le monde est resté toute la nuit. Hein. Ouais. Et puis dans 2 ans je reprends le service commissaire. Oh là, j'ai mal de tête. Ah ça pique un peu là. Moi je conduis pas commissaire, hein. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Moi je peux pas conduire. Oui, oui, je vais conduire. Du moins je vais essayer. Ouais, bah. Ouais, de toute façon quel billard. Donc on va essayer ça. D'accord. Mais non, j'ai rien dit. Ouais. Déjà quand on normal la conduite, j'ai envie de gerber, bah alors là. Et moi je conduis bien. C'est les gens de Los Santos qui savent pas conduire. Ah oui. C'est bien ce qui me semblait. Je suis claqué. Ouais. Et vous êtes en service demain, commissaire? Pas demain, aujourd'hui. Après... Oui. Pardon. Oh, pardon. Oh, mais... Oh. Fallait pas vous arrêter, commissaire. Bon, faites attention à mon véhicule, j'y tiens, celui-là. C'est un collector, commissaire. Un collector, carrément. Ouais, oui. Ouf. Faut y aller mollo sur le frein, hein, commissaire. Oui, j'ai vu que le frein était un peu dur. Oui, je confirme. et puis c'est vrai que on fait pas bien pour les normes, on va faire. Ouais, oh, j'ai l'oreille qui me gratte, excusez-moi, hop. Ouais, je vous en prie. Demain, s'il y a quoi que ce soit en ville, je peux vous contacter, commissaire. Ah oui, de toute façon, si tout se passe bien, je suis que d'absinthe. D'accord, ah, ça a eu un mini changement. D'accord. Pour être de service à tout moment au dehors de Los Santos. Oui, tout à fait. Je devrais être présente à Los Santos. D'accord. C'est parfait. Peut-être pas le matin, par contre. Hein. Non, non, je pense que je serais en train de faire des jeux, commissaire. Moi, ouais. Je verrai. Je sais pas. Je m'entraînerai, du coup, sur... action, hein, on parlait tout à l'heure, je ouais. Verrai, je sais pas. D'accord. Parce que c'est vrai que cette heure-là, je... Voilà. C'était carrément plus, pratiquement 20 heures, donc stop. Eh, ça pique. Oula, il y a un point. Oula. Ouais. Je sais que le camion ou la voiture qui n'a pas respecté la priorité, mais... Ça a coincé. Bim. Ah bah voilà. J'ai rien du tout là. Ah là là, voilà. Voilà, moi aussi je vois des rayures. Voilà. Bon bah. C'est pas possible, j'ai rien du tout. Collecteur Wallo. Voilà, non, bah t'as plus rien. J'ai rien heurté, je vous dis. C'est pas bon. Non, mais moi je vous dis que c'est sérieux là encore, regardez. Regardez, c'est sérieux, allez, voilà. En plus, voilà. En plus, je vais me déjecter de la voiture. Là, c'est rayé, là, ici. Ici, c'est rayé, là. Là, c'est rayé. Oui, bon, maintenant, c'est rayé. Voilà. Ma voiture collecteur. J'ai rien heurté, hein. Peut-être de la magie noire. Possible. Hop, tu plais. Ça va pas, hein, sergent. Ah, ouais, si. Je vais rentrer, je vais me dépêcher. J'ai la tête qui tourne quand même, hein. Il marche très bien avec Hudson, commissaire, je vous rassure. J'ai des contractions, commissaire. Bravo, commissaire, je vous félicite, commissaire. Sans rayer le véhicule, alors mais le coup de pompe que vous avez mis dans vos feux. Comment? Sans rayer votre véhicule, hormis le coup de pompe que vous avez mis dans vos feux. J'ai rien fait du tout, commissaire. Ouais, c'est ça, c'est connu. Par contre, il y a encore de la magie noire. Ça me dit que votre véhicule a été déposé. Mais moi, je le vois toujours. Ah. Essayez pour vous. Non, c'est pas le mien. Ah bah voilà. Prrr. Attendez, je sais comment faire. Je crains le pire. Oh là 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 là. Oh là là. Voilà, maintenant j'ai des pneus lisses. Mais non, remettez-le dessus. Ah, vous voulez que je le mette dessus? J'avais pas compris. Pouf. Voilà. Ah, bravo commissaire. Bon, c'est pas le tout, mais... Oh, j'arrête pas de payer, puis... Oui, c'est meilleur, mais... Là, je... Des dodo, je pense. D'accord, fait que j'ai rien compris ce que vous avez dit, mais bonne nuit commissaire. En gros, je vais dodo, je suis claquée. Bah du coup... Si vous êtes présent demain matin, je vous appellerai pour que ouais. S'il n'y a personne sur, sur Los Santos, on se fasse une partie et que vous m'appreniez certaines choses. Pas de soucis, commissaire. Ça marche. Ok, très bien. Ça marche. Bah, je vous laisse. Ok, merci pour la soirée, madame la commissaire. Merci à vous aussi. Merci, merci. Bon, allez. Allez, bonne nuit, commissaire. Bonne journée à vous. Merci. Bienvenue.